Le gouverneur de la région administrative de la baie a animé samedi matin une réunion d'information et de sensibilisation du corps professoral de l'université Afia. Il était question pour Elaz Madifine Diané de donner aux enseignants-chercheurs qui ont répondu à son invitation ce qu'il qualifie de la bonne information sur les circonstances du décès de l'étudiant Mamadou Boukari Oubaldé, mort dans des circonstances non encore élucidées lors des affrontements enregistrés la semaine dernière entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Afia, située à 22 km du chef-lieu de la préfecture de la baie. On m'a appelé pour me dire que ils ont refusé de prendre le corps, ils ont exigé qu'il y ait une autopsie. J'ai dit, ça ne me dérange pas. Moi, je sais qu'il a été atteint par une pierre au moins, à un endroit névralgique. Je sais que les forces que moi j'ai envoyées, c'est moi-même qui les ai fait déplacer. Je les ai palpés, je les ai regardés en me rassurant que aucune arme létale n'était avec eux. Je dis donc, ils vont retarder le corps, cette conclusion viendra, aucune balle ne lui a été tirée. Ils ont effectivement fait l'autopsie par le professeur légiste de l'hôpital Ignace Dine, qui a fait sa conclusion pour confirmer effectivement, au lieu d'une pierre, je crois que c'est deux pierres qui l'ont touché. Mais la plus importante, c'est celle qui a pris sa tête. S'il en avait pris dans le dos et sur le bras gauche ou droit, quelque chose comme ça. On leur a livré le corps. Malgré eux, il n'y a rien. Ils l'ont enterré ce jour à 17h. J'ai été informé. Devant une délégation dépêchée à la baie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le gouverneur Madifine Diané a déclaré assumer l'entière responsabilité de l'envoi des forces de l'ordre dans le campus universitaire de Afia. Pas mieux que moi qui ai vécu la chose, parce que c'est moi qui ai pris toutes les décisions, en amont, en aval, toutes les décisions. Aucune décision n'a été prise en dehors de mon autorité, aucune. Et s'il y a dérapage dedans, je suis le seul et unique responsable. Mais j'ai pris tout le temps nécessaire pour être même agent sur le terrain, pour me rassurer qu'il n'y aura pas de dérapage. Okay. Et il n'y en a pas eu. Le recteur n'a rien fait sur ses initiatives à lui. Le docteur n'a rien fait sur ses initiatives à lui. Et les agents qui sont partis, j'ai fait lire les réquisitions, j'ai donné mon autorité et mon honneur garanti pour leur opération. Il est à préciser que les missionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont entrepris à la baie des concertations approfondies avec les différents acteurs concernés en vue d'une reprise effective des cours à l'université Afia à compter de ce lundi.